pas trop mal. J'espère ne pas tomber dans un océan ou au milieu d'une montagne. Là-bas au bout. Voilà notre portail. Sur quoi va-t-on tomber? Dans une forêt. Bien. Par contre, le lit. Une forêt, on va devoir dormir. À 1000 blocs de la base. Ça va, on a de l'espace ici. Peut-être un peu terraformer tout ça. T'arrêtes, oui. Il doit y avoir une crevasse. Oh non. Pas mal de place ici, c'est bien. Ah, par contre, bon, et on va commencer par faire de la place. Pour se faire notre petite usine. Ce qui va être comique, c'est faire. Ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Je disais maintenant ce qui va être comique, c'est de suivre le tuto à la lettre. Donc, on va commencer par faire un trou, je crois. Bon, c'est bien ça. Donc, si on fait ma ferme là, on pourrait éventuellement faire directement la chute ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gentil, mais et re-9 3 4 5 3 4 5 6 7
ça c'est bon. Le lit, j'ai été le mettre au moins. Mon petit lit. Et ça sur trois blocs de haut. Alors, ensuite, je remonte quand même. Je sais ne faire qu'un seul coffre. Tant pis, je vais pas le faire. Des fleurs, on n'a pas besoin. Et alors là, il nous faut des sauts d'eau, un hopper et un portillon. Le milieu, il est là. Qui va déjà se remplir et un portillon ouvert. Je vais les ramasser avant qu'ils aillent boucher le tonnoir. Ça va être toute la récupération des arbres. Maintenant, il suffit de remplir. Pour que tout arrive ici au centre. Alors pourquoi il est ouvert? Je sais pas trop. Mais bon, on va suivre ce qui est marqué. Comment les remplir d'eau. Je crois qu'on s'en servira plus. Là, il bloque le truc là. Je sais pas dans quel sens ça va aller. Alors, le milieu, il est là. À côté, on met du box. On m'en remet 4 là. On m'en remet 2 là. Alors, 2 blocs ici, il faut des observateurs. Ça va se compliquer, les gars. Je vous dis que ça. Je ne vous dis que ça. Ça va être comique. Alors, on a. Voilà. Un observateur. Ici. La flèche est bien par là. Et un observateur à l'envers.
Ça, c'est celui bon. Ouais. Une flèche de chaque côté. Au revoir. Ça, c'est bon. Bon, c'est fini. Faut un observeur dans ce sens-là, ça c'est bon, un observeur en haut, il détecte, c'est normal. Je sais pas ce qu'il faut. Un comparateur, un comparateur, c'est des leviers. Et des répliqueurs. C'est assez complexe comme truc à faire. Et là, ça va être pour mettre le système en off. Quand il est comme ça, il est fermé. Quand il est comme ça, il envoie du redstone au-dessus, donc il est ouvert. J'essaye de suivre correctement. J'espère que ça va fonctionner parce que quand je vois le truc qu'il y a à faire, mes droppers, dispenser, ok. Ici, on a les trois et le distributeur qui garde par là. Ça, c'est bon. Ça c'est pour après, ça c'est pour après, ça. Alors ici, ça sera pour la bonne mille. Là, hop. Vous ne me demandez pas de vous expliquer le système pour l'instant. J'essaye de comprendre moi-même. Là, c'est la bonne mille qui va arriver. Donc, si la bonne mille, elle arrive ici, normalement ici, ça va être les arbres qui vont pousser. Ici, je pense que les arbres vont pousser ici.
par ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. De côté, 6. Alors, le répéteur a deux tics. La redstone jusqu'au bout. Alors, un répéteur normal ici. Là, un redstone. On est bon, là-bas on est bon. Ici. Voilà, je vais faire un petit escalier. Celui-là. Et on lui fait son petit coin. Et là, un répéteur à deux tics. Jusqu'ici, je comprends plus ou moins. Je pense qu'après, ça va se compliquer. Attends, ils sont là. Maintenant, ça va être de remplir tout ça. Transporter. On fait le tour. Casser ici. Non, mais ça va peut-être récupérer les pousses quand on va les amener plus loin. Un comparateur. Un comparateur, un repeater. On va lui donner le signal du comparateur vers celui-là. Quand celui-là va clignoter, il va envoyer. Ok. Jusqu'ici, je suis. Alors, redstone. Comparateur. Ici, ici. Je sais pas si ça change quelque chose. Et ici, on va lui remettre un comparateur qui va détecter quand il y aura quelque chose sur le truc ici. Il y a des choses que je comprends pas. Hein. Pourquoi il y a de la redstone sur ceux-là? Et bon. Thank you.
carreau. J'ai pas bien combien il faut. 406.4, 1, 2, 3, 4. Non, je peux pas. Alors, ça il me faudra. Il faut que je monte des blocs. Prendre des autres blocs. Ça se complique. Ça commence à se compliquer. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Je sais pas d'où ça vient. Ça a besoin. Ça, ça sera pour après. Jouer avec les blocs de slime et les blocs de miel. Ça c'est le milieu, donc il m'en faut deux de chaque côté. Ça c'est l'horreur. Miel, slime, miel, slime, miel. Maintenant, un bloc de redstone sur toute la ligne. Du vert en dessous. Des portillons. Je sais pas si dans ce sens-là ça marchera. Bon, on en a un qui est perdu là-bas. S'il nous en manque un, on saura où il est. Attrape, à terre, on s'en fout un peu.
fait un peu peur, c'est les creepers. Je vous avoue que les creepers, j'ai pas tellement envie de les voir venir ici. Par contre, ici, je dois avoir un bloc à l'intérieur. La partie là, il est parti ici. Va faire bugger le truc. Faut des blocs. Des blocs de terre. Ici. Faut bloquer. C'est bien short ici. Et donc la redstone sur chaque bloc de miel. Pourquoi est-ce décalé ? Moi qui me suis trompé. Le bloc il vient de se mettre en face, évidemment, en face des pistons. Ça ressemble à ça. Il faudra vers ça, l'autre sera après, et on va refaire la même chose symétriquement. Par contre, ici. Je vais prendre ma pelle. Voilà, ça c'est fait symétriquement. Pas oublié d'enlever ça, je vais faire en haut. S'il y en a qui tombent, ils arrivent ici.
Voilà ce que ça donne. Ça devient complexe, l'histoire. Là, ça aurait été bien de les ouvrir. Sinon, on ne va servir à grand-chose. Voilà. Alors. Slime, ça va être comique. 2, 3, 4, 5, 6. Doum, 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 doum. Et paf. Là, on en a 6 blocs. Il nous faut bloc de miel. J'ai oublié le principal. Mais ça, c'est bien. Ça fonctionnera pas, hein. Sur le bloc. Un sticky piston, un sticky piston, un sticky piston en dessous. Le bloc de miel, il va là. Et ici, 3, 4, 5 et 6. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Des masses. Là, ça va être encore plus comique. Voilà. J'ai dû me tromper quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Attendez. Parce que ici, si on pousse les bois, ils ne vont pas aller bien loin. Il y a une erreur quelque part. Les pistons devraient arriver ici, pour pousser ça par là. J'ai dû rater une étape. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. La redstone, elle vient ici. Désolé. Elle montait ici, elle montait là. Hop. Celui-là, il était à deux tics.
bloc et on fait tout casser. Faire et défaire, c'est toujours travailler, même si c'est pas très gai. Là, on a celui-là. Pas trop loin. Quand on essaie de se dépêcher, c'est foutu. Prendre son temps. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est bon. Je monte. Ça me paraît quand même un petit peu plus logique. Ça, normalement, c'est ce qui va pousser tous les arbres. Maintenant, il faut du verre, de la terre et des échafaudages. Alors, pop, pop, là, de verre, c'est ça. 3, 4, 5, 6, on arrive à la même dimension. Allez, quoi. Mettre dessus. C'est pas dans ce sens-là que je les veux. Magnifique. 1, 2, 3. À le poser, je sens que je n'arriverai pas à le poser. Je vais faire autre chose. 1, 2, 3. Un petit bloc de verre. J'ai pas compris pourquoi le bloc de verre ici. Me servira à rien. Évidemment, je vais avoir des copains. Évidemment, je vais avoir des copains. Possible. Ah oui, par contre, ça j'irai l'échanger après. Parce que là, on est plus bon. Thank you.
Alors, pastèque. Là, on lui laisse bien le trou. Voilà. Bon là. Voilà ce que ça donne. La machine normalement est finie, elle est opérationnelle. Maintenant, ça va devenir un peu plus délicat, c'est qu'il va falloir faire la machine à dupliquer la TNT et à exploser. Si on se trompe d'un bloc ou d'un tic, quick patatras, pas fini, il me faut le bouton, me faut un bloc, un bouton, il m'en faudra. Et il pleut, mais comme c'est magnifique. Mon petit bouton là derrière, la trappe, et sur la trappe en mettre 19. Voilà. Va dormir, hein. Ça d'orage. Ces échafaudages-là, il faudra les laisser. Ils vont servir à la machine, à la construction, mais il faudra les laisser par après. Sinon, ça risque de bugger. Qu'est-ce qui me manque? Ce qui me reste, ça. Petit là, ça. Je crois qu'on a tout. Bon, maintenant, ça va être chiant à monter, évidemment. On va aller se mettre tout là-haut. C'est cette partie-ci qui m'inquiète le plus. Magnifique. Hop. Surtout pas casser le copain. Alors, un observeur qu'on
20 mètres dans ce sens-ci. Piston, je vais dans le bon sens. Si je le mets par ici, ah, il se remet encore en haut. On va essayer plus loin. Là, tu vas me le mettre quand même. Eh ben, c'est pas trop. C'était pas trop dur. On va reculer un max. Le slime. Le slime block. Et là, ça peut partir. L'activer forcément. Ça veille. Je t'ai vu. Toi aussi, je t'ai vu. Très dangereux dans ce coin-ci. Je sais pas s'ils sont en dessous ou pas. Il y a des monstres à proximité, je veux bien moi, mais... Il y a cette place. Ça, je m'en fous. Mon pieu. Là, il n'y a personne. Ah, il y a quelqu'un. Pas de creeper à l'horizon. Allez, on dort. On se dépêche. C'est bon. À côté du milieu, on remet 15, 8, 8. Là, on est en face de notre machine.
2, 3. Un bloc. 2, 3. Toujours les mêmes blocs. Celui-là, on lui fait une petite plateforme. On va arriver là-haut. Les observeurs. Là, un bloc. Là, un bloc. Ici, un observeur. Vers le haut. Re-observeur vers le haut. Un petit peu de mal à voir si je suis bon. Des sticky. Bien sûr, on peut le mettre là. Ouh, ça va pas être galère, ça. Tu vas aller du premier coup. Un, deux, trois. J'ai peut-être fait une bêtise là. J'en ai que deux là. Oui, je me suis trompé là. Oh là là. Donc celui-ci va venir là. Mon observeur va venir là. Là, donc celui-ci. Pas celui-là vient ici, celui-là vient ici, celui-là n'existe pas. Je me suis trompé d'un bloc, donc là on est bon. On a du matos qui est tombé, mais il est tombé dans l'eau, donc c'est bien 1, 2, 3, et le quatrième est ici. Hein. Mon bloc ici. Bon, maintenant ça va être là, Redstone. Le bloc avant. Ici. Les répéteurs sont là. Redstone. Alors, ici. Celui-là full, celui-là à 3, tous les autres, full, tous ceux-là sont full. Alors ici, deux, trois, on peut les enlever. Un sticky piston. Avec un observeur qui regarde vers le bas. Je vais aller
dormir. Ça se présente pas mal notre histoire là. Celui-ci. Faut que je monte ma terre. Alors, hop. Hop. Faut qu'il va mettre un observeur. J'ai des observeurs qui sont en dessous. Bien joué. Il m'en restait plus qu'un, évidemment. Il est en bas. Arriver à caler un observeur là-bas. Juste en dessous du qui regarde vers le haut, donc ça c'est bon. Bon, celui-ci, il est bon. J'ai perdu où je suis là. Full délai. Full délai. Et les deux derniers. Permettre de faire une cloque. Avant ça. Gamelle. Ici, le piston. Hop. Voilà à quoi ça ressemble.
J'arriverai pas à mettre les parquets, les murets, si je suis dessus. C'est pas là que je veux. C'est là. Il y en a une qui est dans l'eau. La deuxième. Ça va, rien n'a pété. Bloc, il manque un bloc, tiens. Alors, on va se reculer. Bloc et notre petit truc là ici. Bon, je crois que on a tout mis. Il me manque encore à mettre ça, ça. Merde, il me manque mon muret. Le soleil, oh là 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 là. Et la machine est pratiquement finie, hein. On va bientôt pouvoir tester si on n'a pas fait de bêtises. Si on a fait des bêtises, on va le savoir tout de suite avec ce genre de truc. Si on a oublié quelque chose, c'est foutu. Bon, allez. Dernière étape. Avant de savoir si on est pas trop mal ou si on est carrément mauvais. Notre dernier muret, on va le mettre là. Il me faut de la terre, ça. J'ai pas mon piston. J'ai pas envie de descendre pour aller le rechercher. Le levier, voilà. Normalement, tout est bien placé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les melons. Ah, les pastèques. Trois. Et trois par ici. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai encore? Normalement. Bon. C'est l'heure de vérité, hein. Normalement,
normalement, tout est juste. J'espère. Elles sont là. Hop. On va aller... Je sais pas si par ici je peux y aller. Là, je vais... J'ai une grosse crevasse, là. Oh. Donc c'est ici. On a 3 de profondeur plus le truc. Nous y sommes. Il n'y a plus qu'à mettre les deux coffres. Les deux coffres. Et venir mettre notre petit hopper. On a 50 000 trucs là. C'est bon. Bon les amis, l'heure de vérité. Des os, de la poudre d'os. On met tout. Coffre, il est où? Ça va se dispatcher là-dedans. Touk, touk, touk. Une fois que je vais la mettre en route, elle va monter. Première des choses, c'est bon. Ici, est-ce que mon bouton est bien mis? Non, mon bouton n'était pas bien mis. Mon bouton, il doit venir là. Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'essaie de le faire au mieux. Bon, normalement, si on active ça, la poudre ne monte pas. La poudre ne monte pas. Il n'y a pas d'ascenseur à ça. Je ne comprends pas comment elle pourrait monter. Tout arrive là, d'accord, mais pour qu'elle monte, il faut un ascenseur. Cette torche là, elle bug le comparateur, je suppose. Elle bloque ce bug là. Ça, je comprends pas bien comment est-ce que la poudre pourrait monter. Alors oui, ça fait un tic,
Celle-ci, je ne sais même pas ce qu'elle va te donner. S'il n'y a que ça, c'est réglable. Et là, si on a bien fait... C'est magnifique. Et on l'arrête de la même façon. C'est très bien tout ça. Bon. On va passer la nuit. Seul souci, c'est là. Je comprends pas comment ça pourrait monter. J'ai peut-être fait une erreur quelque part. Je comprends pas où. Les trompeurs, c'est bien, mais ils ne montrent pas tout là-haut. Là, on va mettre ceci. Là, on va en mettre un. Du sapin, ça fonctionne pas. Première nouvelle. Ici, j'ai pas grand chose. On a du boulot. On va quand même bien tester pour voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi, comment? Il y a des choses que je comprends pas. Il y a des choses que je ne souviens pas. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une mise à jour là-dessus. Est-ce que les arbres peuvent encore pousser quand ils sont à côté d'un bloc? Ça serait la galère. Je suis là en train de me manger toute ma poussière d'os pour rien. Ça c'est un peu la galère. Que du pas de chêne. J'ai un chêne ici. Comme une pousse de chêne. On va essayer avec du chêne. Mais j'ai bien peur qu'ils aient bugué ce truc. Et j'aurais passé mon temps. Pour rien. Les arbres ne veulent plus pousser. C'est miné. Avec le chêne, ça fonctionne. Par contre... bugger la machine. J'ai bugué la machine. J'ai retiré le bloc de verre.
Bon, allez, je répare vite ça. Il suffit de planter des arbres. Laissez la touche appuyée. C'est génial. La vérité, on en aura toujours. Il n'y a plus qu'à laisser appuyer jusqu'à temps qu'il n'y a plus de poussière d'os. Il y a certains arbres où il faut longtemps. Je suis vide. Bon. Rater le massacre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça a été un épisode un petit peu long. Je vais essayer de me renseigner pour voir si les bouleaux et les sapins poussent encore là-bas. Ça fut un épisode très long. 36, ça va. Mais je voulais absolument la construire ensemble avec vous et voir si on s'en sortirait. Ouais, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À plus les amis. Ciao, ciao.